Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Acclamons le Seigneur. Encore une fois, nous sommes dans la joie d'être dans la maison de notre Père. Comme le pasteur vient de le dire, c'est le seul endroit où nous pouvons oublier toutes les tracasseries de ce monde. Tous tes soucis là. Tous tes problèmes, oublie ça. Ouvre ton cœur seulement. Et là, Dieu va descendre. Pour que nous puissions communier avec notre papa. Amen. Amen. Oh, nous sommes dans la joie. Je remercie encore le Seigneur pour l'occasion qu'il nous accorde d'être dans son église aujourd'hui. Et particulièrement le pasteur Yoba. Pour la confiance et qu'il a vraiment pour nous, pour que nous puissions partager encore le pain du ciel aujourd'hui. Amen. Amen. Je vois que nous sommes déjà debout. Amen. Nous pouvons gagner le temps. Nous prenons Apocalypse chapitre 3. Au verset 21. C'est l'avant-dernier verset. Ezali molongo oyo simana yango ne molongo ya suka. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Romains 7. À partir du verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Bongo na tango wana, ezali ngai kosala mabola te, ezende lisumu kobikaka kati na ngai. Ce qui est bon, je le sais. Oyo ya malamu, pona kosala ngai na yebi yango, n'habite pas en moi. Yango ezali kofanda kati na ngai te. C'est-à-dire dans ma chair. Eli koloba na nzoto ya ngai, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Nazali, na motema malamu ya kosala, kasi nazali na kopi ya kosala yango. Car je ne fais pas le bien que je veux. Pote nazali kosala. Et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas,
Ce n'est plus moi qui l'ai fait, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends le plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Prions le Seigneur. Dieu, notre Père Céleste, tu sais combien j'ai la crainte ce matin, Seigneur. Car cette prédication m'a beaucoup troublé, Seigneur. Comment un grand homme comme Paul pouvait dire ce qu'il est en train de dire dans cette Bible, Seigneur? Aie pitié de nous. Élève-nous maintenant dans ta présence, Seigneur. Que nous puissions trouver ta grâce ce matin pour entendre et recevoir ce que tu veux nous communiquer. Oui-moi, Seigneur. Oui, aussi l'assemblée, Père bien-aimé. Parle-nous et parle-moi aussi. Le bel abisopé, le bel angaipé. Que nous ne puissions pas quitter dans cet endroit tel que nous sommes entrés. Nous te le demandons, Père. Par ta grâce, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le thème de ce matin, c'est quand même un sujet difficile pour moi. Peut-être ça peut être simple pour toi. Comment vaincre le moi? Le moi. Ou ton ego. Allô? Amen. Vaincre le moi. Nous venons de lire. C'est le grand prophète. Paul. Il n'écrivait pas ce que quelqu'un d'autre vivait. Non, c'est sa propre vie qu'il est en train de raconter. Et qui sommes-nous ce matin? Pour échapper à cette loi-là. Vaincre le soi-même. Kolonga bongai ya yomoko. Ou notre ego. C'est quoi exactement? Parce que l'ennemi de Kassende, c'est Kassende lui-même. Nous devons d'abord vaincre le soi intérieur. Notre nature adamique. Qui fait que nous puissions toujours. Que nous puissions penser que nous sommes plus que l'autre. C'est ce que chaque homme généralement pense. Paul dit, comme nous venons de lire dans Romains 7:19, Paul a lobi, bisika to tikota na baloma moka pona sa molongo na zomi na libwa. J'ai une bonne pensée pour faire le bien. Alobi, na sali na likanisi malamu pona sala malamu. Qu'est-ce qui fait que je ne fais que le mal? Bongo ni que je ne veux pas. Ni de zali ko sala ke ngai na zali ko sala. Ba bongo na zali ko boya yangonde na zali ko sala. Amen. Amen.
Donc le soin même est possible. Aussi longtemps que nous gardons tout le temps notre communion avec notre Dieu. Parce que l'âme, c'est ça le centre de l'homme. Comme ces jours-là, après avoir crucifié le Seigneur Jésus-Christ, les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils avaient une bonne attitude avec la parole. Ils sont restés dans la communion avec la parole parlant de Jésus-Christ. C'est ce qui a favorisé qu'ils puissent être dans une bonne atmosphère. Qui a fait que le Seigneur Jésus-Christ s'est ajouté à leur marche. Parce que pour vaincre l'autre moi, on a besoin de voir qu'est-ce que nous sommes en train de nourrir spirituellement notre vie. Quand tu penses à Jésus, Jésus vient. Quand tu penses aussi au diable, le diable vient au diable. Alors nous avons le libre arbitre. Pour vaincre notre moi, l'homme intérieur. Amen. Parce que plus tu es plus proche de Dieu, plus tu parles de Dieu, plus tu t'occupes à Dieu. Plus aussi, le Seigneur sera à côté de toi. Si tout le temps tu es toujours dans les causeries vaines et mondaines, d'ailleurs le diable c'est difficile, lui vient même sans l'inviter. Amen. Amen. La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. La Bible n'a pas dit, Bible le dit été l'esprit qui pêche. Oh, mon le corps qui pêche. Pourquoi? Parce que l'âme, c'est ça le centre de l'homme. Amen. Amen. Quand un bien-aimé est retiré par le Seigneur, nous disons, le corps de tel va sortir. N'est-ce pas? C'est que lui n'est plus là-dedans. C'est le vêtement, on l'a jamais vu. Non, nous voyons toujours l'enveloppe qui couvre le toit intérieur. Pourquoi? Quand la Bible dit l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Parce que l'âme, c'est lui la boussole de notre vie. Quand l'âme est corrompue, l'esprit sera aussi corrompu et le corps va se retrouver directement tombé dans le péché. L'homme a besoin d'une l'âme a besoin d'une bonne nourriture pour résister au diable. Ah, c'est pour cela que nous devons contrôler ce que nous sommes en train de consommer spirituellement. Nous avons besoin de la parole pure, sans mélange ou hybridée. Amen. 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 Et cette parole, c'est la parole de l'heure. Le message que le prophète William Branham nous a prêché. Il nous amène à la foi apostolique sans compromis. Amen. Amen. Parce que l'homme a trois parties. Le corps a cinq sens.
L'esprit aussi a cinq sens. Olivo peut azalina biyot limitano. Et la troisième partie, c'est l'âme. Et peine y a mis ça toi y a moto. Ezali pour moto y a quatre babenga elimo. Pour l'âme, Dieu n'a pas permis qu'il ait même deux sens. Bonne elimo, zambe a passé pour ça te ezali na biyot elimi balete. Non, l'âme a seulement la capacité de recevoir un seul sens. Elimo, y a zali na makoki ya koya babobele y a elimo ko. Soit tu as la foi. Soit tu as les doutes. Il n'y a pas de position intermédiaire. Amen. 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 Un jour, dans une, après une campagne du prophète William Branham, un Indien avait cru. Il a donné sa vie à Christ. Après, Christ. Après un jour, il est le prophète. Tu sais, que j'ai donné ma vie à Christ. J'ai une situation terrible. Il y a deux chiens qui se battent à moi. Il y a un chien blanc. Et un chien noir. À tout moment, ils se battent. Alors le prophète lui a demandé, entre les deux, qui gagne? Alors l'Indien répondit, ça dépend celui que j'ai nourri plus. Amen. Amen. Quand je me consacre à Dieu, quand je suis plus proche de Dieu, le chien blanc a plus de muscles et il écrase le chien noir. Mais quand j'essaie de quitter la présence de Dieu et toutes les choses mondaines commencent à me venir dans la tête, c'est le chien noir qui est maintenant de Amen. Amen. Il dit, c'est lui que j'ai nourri plus. Aujourd'hui, tu nourris lequel? Amen. Amen. Parce que quand tu donnes ta vie à Christ, tu prends une décision de donner ta vie à Christ. Ah, la guerre commence avec le diable. C'est ce qui s'était passé dans le cœur de cet indien-là. Parce que quand tu donnes ta vie à Christ, le diable se réveille maintenant. Et surtout s'il sait que tu es un prédestiné de l'éternel. C'est le diable a une capacité de voir même ce que tu seras demain. Oui, parce que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Lui était aussi dans la conférence avec Dieu. C'est pour cela, dans l'église du Dieu vivant, la place des hypocrites n'est pas là. Quand tu es sincère dans ta chambre en train de prier, le diable voit. Satan a mon accapé. Dieu est en train de quitter son camp. Alors, Dieu voit aussi. Amen. 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 Pourquoi être hypocrite? Si ce n'est que pour ta destruction. Amen. 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 Voilà la guerre permanente qui est dans chacun de nous. Amen. Même nous les parents. Même vous les enfants. Qu'on ne vous trompe pas. Cette guerre-là est permanente avec le diable. Dès que tu as décidé de donner ta vie à Christ, tu dois savoir que tu dois devenir un soldat. Nous avons lu l'Apocalypse 3. C'est lui qui vaincra. Est-ce qu'on peut vaincre en train de dormir? Il faut se battre. C'est
que tu es un soldat. Un soldat doit vaincre l'ennemi. Amen. Amen. Vaincre notre nature adamique. Ce qui fait, te fait penser que tu es plus que l'autre. Tu sais que tu dois vaincre. Parce qu'un véritable fils de Dieu n'a pas la pensée qu'il est plus que l'autre. Pourquoi? Parce que nous constituons l'épouse mystique du Seigneur Jésus-Christ. C'est un seul corps. Parce que c'est comme si ton œil est capable de dire je suis capable d'être plus que la bouche. Je suis plus important que la bouche. Est-ce que c'est possible? Dire que je suis plus important que le bras droit. C'est la pensée que chacun doit avoir. Parce que la position de chacun dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est comme le jeu de puzzle. Où il y a de petites formes différentes mais qui ne sont pas identiques. Alors toi aussi tu as une place dans l'écran de l'épouse. Parce que si l'œil décide aujourd'hui, l'œil décide de manger aujourd'hui. Mais seulement les piments. Est-ce que l'œil va supporter? Mais la bouche est conçue. Pour supporter les piments. En sortant ici, tu dis je vais commencer à marcher avec mes mains. Il n'y a pas de problème. Tu vas faire 3-4 pas. Les mains ne sont pas conçues pour supporter le poids de ton corps. Ce sont les pieds qui sont conçus pour alors aussi longtemps que tu penses que tu es plus que quelqu'un d'autre, voilà ton écho ou ton moi que tu dois vaincre ce matin. Voilà. Amen. Amen. Parce que quand Dieu nous a créés comme le libre arbitre, c'est cette situation qui s'accomplit dans l'âme de chacun de nous. Ça ne se fait pas par la pensée ou dans l'esprit ou dans le corps. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu as la foi en toi. Tu n'acceptes pas, tu as le doute en toi. Et quand tu as le doute, c'est le diable qui est avec toi. Amen. Amen. Dieu nous a créé comme un agent moral libre. Zambe, asarabiso, lokola motoyo, azalina bonze. C'est par l'âme que nous choisissons. Bongo, et pendant la biso, tosala kangot na bomotoya kati. Là-bas passé, nous avons parlé pourquoi nous sommes obligés de faire un choix, n'est-ce pas? Balon le ki, mokengi elektoyo kaki ayaki to tewa kaki ke. Ça nous rattrape pas encore aujourd'hui. Et il est là pour les kamangwa ya kangi biso lelo. Le choix que tu feras ce matin. Et ponez-le au costard à la tombe à l'élo. Et déterminer ta destination éternelle. Il y a un mot pour la kissa. Des pailles d'ailleurs pour qu'il y ait assez qu'on a ses peaux. Si tu ne prends pas ça au sérieux,
Tu risques d'avoir aussi une destination de l'autre côté. Amen. Amen. Même notre corps physique ici. Attends, hein? Nous choisissons ce qu'il faut manger. Oui. Amen. Amen. Est-ce que nous mangeons n'importe quoi? Parce que nous savons que si tu manges n'importe quoi, tu tomberas malade. Mais pourquoi dans le spirituel? Pourquoi on n'est pas si sérieux? C'est le moment où on devait être le plus sérieux possible. Amen. Pour vaincre notre propre moi, nous devons manger régulièrement la parole de Dieu. Qui va faire que notre âme, qui est la boussole de notre vie, va prendre le contrôle de ton esprit. Et qui va faire que ton corps va obéir à ce que l'esprit t'a fait. Et c'est ce qui va produire la nouvelle naissance en toi. Le premier combat que nous devons avoir, et ce n'est pas de combattre le voisin. Non. Commence par toi-même. Est-ce que tu as vécu le monde? Amen. 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 Parce que quand tu vas vaincre le moi intérieur, alors tu es capable maintenant d'aller combattre pour les autres. Amen. Vaincre le moi, c'est ça la nouvelle naissance. Oh, je vais à l'église. Ça fait 30 ans que je suis dans les messages. Merci beaucoup. Est-ce que tu es plus que Nicodème? Nicodème? Il était le docteur de la loi. Il est venu voir le Seigneur Jésus. Qu'est-ce que je peux faire? Pour avoir la vie éternelle. Pour la Torah. Nicodème avait la Torah. Avec les messages, comme nous avons aussi les messages. Mais Jésus, quand il a regardé, il faut la nouvelle naissance. Il n'avait même pas compris la nouvelle naissance. Il demande à Jésus, dois-je encore rentrer dans le sein de ma mère? Amen. Amen. Tu peux avoir la parole avec toi chaque jour. Et ne pas être né de nouveau. Parce que la nouvelle naissance, l'homme, un homme est converti à la passion de la chair qui domine sur lui. L'orgueil, la mondanité, les péchés, et moi, on ne joue pas avec moi. Est-ce que tu me connais? Oui. Nous te connaissons. Tu n'as jamais été créé. Mais non. On ne joue pas avec moi. Toi, tu es qui? Quand on devait avoir la valeur d'un homme, quand on a calculé les composants chimiques que nous représentons, la valeur de l'homme, ce n'est même pas un dollar. Alors qu'est-ce qui te fait penser que tu es plus que ton voisin? Parce que tu es à l'université. Ou parce que tu t'es habillé dans un habit meuble.
la Bible appelle le grand miracle que Dieu opère dans un être humain, c'est ta transformation. Amen. Tu changes un pécheur à un fils de Dieu. Amen. C'est ce que nous devons avoir dans notre vie. La conversion. C'est quoi? Va enlever le cœur de pierre. Que j'appelle le doute. Pour te donner le cœur de chair. La foi en Jésus-Christ. Pour recevoir la parole de Dieu. La transformation d'un pécheur en fils ou fille de Dieu. Reçois la foi en Jésus-Christ. Tango moto la nouvelle naissance c'est quoi? Une vie différente, réelle, avant et après. Tu dis que Dieu devient chrétien. Mais tu es toujours le même. Nous allons comme on a eu le lendemain car on a gagné. On y a pas besoin. Et après. Et on y a le cala. N'y a le lendemain. Incapable de supporter ton frère. Oh, on a dit. Ma copie. Ah, on a dit ma copie à quoi il a déconné en plus. C'est ça. Toujours la même personne. On pique à l'ingénieur comme tu as comment comment. Ah, ça c'est suspect. C'est suspect. Et ça dit comme on a comme moi. La vie d'un homme. Pas moi y a moto. Est centré sur son âme. Oui, Yangoa, et Fanny Kati, la promotion est à Kati, et Limo. Aujourd'hui, je dois même aller lentement pour que nous tous puissions comprendre la chose. Nous allons aussi beaucoup lire aujourd'hui, s'il vous plaît. Nous allons lire, j'ai dit que l'âme qui perd, c'est l'âme qui mourra. C'est Ézéchiel 18. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui aussi. Amen. 21 maintenant. C'est ce qui veut, ce qui nous intéresse. Si le méchant revient de tous ses péchés, si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra. Amen. Il ne mourra pas. Amen. 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 C'est merveilleux, n'est-ce pas? Dieu laisse toujours une fenêtre pour ses enfants. La foi est dans notre âme. Pour produire quoi? La victoire. Amen. Amen. Vous savez vaincre. Non, je peux te donner ça une petite définition. Égal garder la vie. Amen. Amen. Parce que même dans un combat, dans une guerre, il n'y a que le vainqueur qui reste en vie. Amen. Amen. Dès que la foi de Jésus-Christ s'installe dans notre âme, c'est ce qui enclenche la guerre permanente entre le bien et le mal. Il y a un monde à Botaka,
Ce qui s'est produit chez cet indien-là. Quand il a donné sa vie à Christ, et son âme a été déjà occupée par la foi, ah, la guerre s'est déclenchée. Entre le bien et le mal. Cette guerre-là, entre le bien et le mal, nous accompagne toute notre vie. C'est pour cela que la Bible nous dit, celui qui vaincra va s'asseoir avec Christ. Amen. Amen. Mais nous ne combattons pas avec notre force. Non. Nous combattons dans la victoire obtenue par le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui nous demande ce matin, c'est juste d'ouvrir notre cœur et comprendre que nous sommes rien. Aussi longtemps, et nous sommes sincères avec Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ. Lui, il a la capacité. Il a la capacité. Il a pouvoir. Il a changé. Il a amené à devenir un fils de Dieu. Et une fille de Dieu remplace. Amen. Ce que le roi, c'est quoi? C'est comme un soldat. Pour envoyer un soldat à la guerre, ah, il faut le former. Mais s'il n'est pas formé, vous l'envoyez à la mort. N'est-ce pas, pasteur? Un soldat doit être formé. Mais toi, tu n'es que le soldat. Tu n'es pas encore vaincu ton mort. Tu veux sortir, je vais aller prêcher. Comment tu peux prêcher? Quand tu es capable de voir de vaincre que ce que tu es pour moi. Et quand tu vas prêcher, c'est comme si tu allais en guerre. Ah, les démons ne vont pas blaguer. Amen. Nous sommes obligés de vaincre le moi. Parce que si tu es encore toi-même captif, comment tu vas encore, toi, un peu tu es en prison, tu vas encore se libérer, quelqu'un de vient en prison. Est-ce que c'est faisable? Non, monsieur. Comment? Alléluia. Amen. Comment? Nous devons vaincre notre ego intérieur. Tu penses toujours que tu es plus que l'autre. L'ennemi de moi, c'est moi-même. Le prophète William Branham l'a dit aussi. Aujourd'hui, nous allons lire. Il a dit l'ennemi de William Branham, c'est William Branham. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu auras le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce que même Paul, quand il a écrit ça, c'était au début. Après, il a dit, suivez-moi comme je suis. Amen. Amen. Oh, je l'ai vu, n'est-ce pas? Amen. C'est merveilleux. Vous savez, quand on n'a pas encore vaincu le moi, voyez bien, tant qu'on a nos longues abongaïnes à notre côté. Alors le Seigneur Jésus-Christ a eu un bon exemple. Voilà Jésus-Christ, en tant qu'il a qui s'est comment tu vois la paille dans l'œil de ton frère? La paille. Tu es incapable de voir la poutre qui est dans ton œil. Tu es incapable de voir la poutre. Qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas voir la poutre là? C'est ton ego, ton moi là. Ça c'est vrai. Amen. Amen.
Et Dieu nous dit, nous devons protéger notre âme plus que toute chose. Amen. C'est ça. Ce n'est pas facile, hein? C'est Proverbe 16. Il nous dit ceci. Verset 17. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde Amen. 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 Toujours dans Proverbe 22:5. Des épines, de pièges sont sur la voie de l'homme. Pourquoi? Parce que l'âme, c'est droit, c'est le vrai droit. Parce que c'est lui qui commande tout ce que nous voyons à l'extérieur. Parce que nous devons nous battre chaque jour pour que Dieu puisse nous baptiser du Saint-Esprit. Et quand on a le baptême du Saint-Esprit, cela va produire en toi de voir plus les intérêts des autres que tes propres intérêts. Amen. Parce que la définition de la vie éternelle, ça veut dire quoi? Vivre pour les autres. Amen. Amen. Deuxième question. Les autres, là, c'est qui? Aujourd'hui, vraiment, ce sont des questions. Les autres, là, c'est qui? Jésus a dit, si tu aimes seulement, celui que tu aimes, si tu salues seulement celui que tu aimes. Qu'est-ce que tu as fait de spécial? Les autres là, ce sont tes ennemis. C'est ça vivre pour les autres. Parce que beaucoup de gens, oh, je donne beaucoup d'argent aux gens. Je vis vraiment pour les autres. Ce n'est pas ça la parole. Vivre pour les autres, c'est aimer la personne qui te tuerait s'il a eu la première occasion. C'est ça la définition de la vie. Je sais que c'est difficile. Hein? Mais pour avoir cet amour parfait là, seul le baptême du Saint-Esprit dans ton âme. Et je te dis ceci, si tu atteins ce niveau là, même l'enfer ne va rien devant toi. Et parce que tu deviens la divinité en marchant, tu deviens la parole de Dieu, tu fais toucher la parole de Dieu. Il est venu là, tu peux oser toucher la parole de Dieu. Il y a la porte. C'est pour cela que nous avons obligation de ne pas être hypocrite. Si tu es encore faible, sois sincère avec Dieu. Dis-lui que moi ça ne marche pas encore. Parce que la plus mauvaise position que l'on puisse avoir, c'est de s'imaginer avoir le baptême du Saint-Esprit quand il n'en a pas encore. C'est terrible et pire. Tu dois vaincre ton égoïsme. Alors, tu peux maintenant sortir pour prêcher quelqu'un. Parce que la véritable prédication, c'est que l'homme a besoin, c'est ce que le prophète disait. J'aime
le pasteur aux villes. Ah oui, Nalinga Kabokenge dit les villes. Pas parce qu'il prêche bien. Et ça lui fait quoi, c'est après la camarade? Parce qu'il vit ce qu'il est en train de prêcher. Attends que la camarade a prêché. Vous avez vu la soeur? Et ça lui fait monter. Mes soeurs bien-aimées. Mes soeurs bien-aimées. Nous sommes responsables dans nos maisons, dans nos quartiers. Pourquoi beaucoup de gens ne se convertissent pas? Parce que nous ne vivons pas dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire. Vous allez voir comment une femme a bien amené trois soulards à devenir des chrétiens. Ce n'est pas facile, mais c'est le chemin que le Seigneur a mis. Le Seigneur Jésus a dit, il veut me suivre. Prends ta croix et suis-moi. Et si nous allons nous fabriquer des morceaux de bois, pour marcher avec toi sur la route. Oui, monsieur, pour monter une partie de souffrance du Seigneur Jésus-Christ. Alors que toi-même, tu n'as jamais été converti. Tu vis ta vie et impie de toi-même. Captif encore dans le péché. Non, monsieur. Kassende doit d'abord vaincre Kassende avant d'aller chez côté de quelqu'un d'autre. Kassende, mon gars, on l'a dit, Amen. Nous devons avoir confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Et mon gars, tu es la colonne de Jésus-Christ, mon thème. Parce que quand tu as confiance en Jésus, oh Dieu, vraiment, mais. Oh, on a dit, mon thème, là, vous. Il y a eu des défaillants sur cette terre. Et ça a mis le père à la nous disons là Shadrach, Meshach et Abednego et Daniel. Ils n'étaient pas des extraterrestres. Vous voyez les hommes qui ont fait tellement confiance en Dieu. Ah, que le ciel a bougé. Parce qu'ils ont tellement abandonné leur vie à Christ. Que le ciel a bougé. Pour leur donner la victoire. Amen. Amen. Daniel a vaincu les lions. Shadrach, Meshach, Abednego ont vaincu le feu. Shadrach, Meshach, Abednego, parlons à qui moi je la congara. Par quoi? Par la foi. L'obéissance à la parole de Dieu. La confiance en Jésus-Christ. Chaque fils et fille de Dieu doit être éprouvé. Pourquoi nous recevons de tests? Les épreuves viennent dans notre vie. Pour tuer les rois là qui t'empêchent de marcher. Pour nous détacher de la vie qui est liée à notre chair. Notre nature adamique. Pour donner la parole de chair. Amen. Amen. Nous allons lire le prophète. Comment puis-je vaincre? Ça, c'est lui qui a prêché ça. Il a prêché à Jeffersonville le 25 août 1963. Paragraphe 78 et 79. Ils nous ont rendu, ils lui ont tendu un piège, ça c'était Pierre, c'était Daniel. Je crois que ce prophète le savait, je descends un peu pour gagner le temps. Il n'a pas eu peur de la loi qu'on avait fait voter malhonnêtement. Daniel, a banga quitté pour battre mon père comme moi, pour battre qui encore pour la moitié de mon tambour. Il a levé les mains vers Dieu et s'est mis à prier. Hier, à ton bali, ma banque est pas dans un bébé à Bali Kobonela. Pourquoi? Abi, pour la ligne. C'est une question de vie ou de mort. Pour les alliés, il est en bonheur. Bon, il avait la victoire.
Il y avait donc une si grande victoire que les lions n'ont pas pu le dévorer. Voyez, il a vaincu. C'est un œuf. Shadrach, Meshach, Abednego avait une si grande victoire que le feu n'a pas pu le consumer. Amen. Amen. Parce que quand tu fais confiance à Dieu, il ne pourra pas t'abandonner. Et il ne va même pas envoyer un ange. C'est lui-même qui va descendre. Nous devons tous les temps faire confiance à Seigneur. Par la grâce de Dieu. La chose qu'il faut vaincre, c'est vous-même. Vos idées. Vos affaires. Et vous abandonnez à lui. Il a vaincu pour vous. C'est lui qui connaît le chemin et pas vous. Amen. C'est le prophète. Voilà pour ça que nous dans l'objet. Amen. Paul aussi a vaincu. Paul a fait à Longaki. Son moi. À Longaki, le lendemain, il y a mon voyage avec Aïe Paul. Et il a dit. Père à Longaki. Je vis, ce n'est plus moi qui vis. Sorti dans Ali Kobika et Zali Ngaï Kobika. Si tu as parlé ce matin, le fils a parlé de la tombe à l'heure. Et que tu sens que tu n'as pas encore vaincu le moi. Nous avons beaucoup de preuves que nous venons de lire ensemble ici. Ouvre ton cœur sincèrement. Dieu est capable. Si tu es sincère ce matin, c'est que tu sens que cette chose-là continue encore à contrôler ta pensée. Mais, de penser que tu es plus que l'autre. Tu peux avancer. Tu n'as pas de place, tu peux te lever là où tu es. Et en deuxième position, si tu es quoi que Dieu nous a parlé ce matin, quelle que soit ta requête aujourd'hui, prends Dieu au mot ce matin maintenant. Vous voulez que je prie? Vous pouvez faire, vous tenir debout. Vous pouvez aussi commencer à prier. Parce que je sais que ce n'est pas facile, même pour moi-même aussi. Mais c'est la voie obligée de chaque chrétien. Nous devons mourir à notre moi. Un jour tout s'arrêtera. Seule ton âme est précieuse devant Dieu. Alors nous pouvons d'abord prier et nous avions prié à la fin. Thank you.
Aujourd'hui, Dieu avait mis dans mon cœur qu'on puisse partager le thème « Comment nous devons vaincre le moi ?» C'est-à-dire notre ego, le moi qui nous empêche de grandir spirituellement, notre partie adamique. C'est ce qu'il y a vu, c'est le thème central, parce que nous ne devons pas penser que nous sommes des chrétiens quand nous sommes incapables encore de vaincre ce que notre pensée ou ce que le moi nous dirige encore. Pourquoi ce thème ? Oui, c'est parce que c'est le thème qui concerne toute personne sur cette terre. C'est qu'avant de devenir réellement chrétien, nous devons d'abord nous débarrasser de notre égoïsme, de notre ego qui nous fait penser régulièrement que nous sommes plus que l'autre. Parce que aussi longtemps que tu penses que tu es plus que ton prochain, tu n'es pas encore chrétien. Nous ne devons pas nous voiler la face. Parce que ton semblable, quand tu as le Saint-Esprit, doit toujours représenter comme quelqu'un qui a quelque chose qui peut aussi t'aider sur cette terre. C'est comme quelqu'un qui peut avoir une capacité que tu n'auras pas. Ce qui est vrai aussi, personne ne se suffit seul. Comme tu peux être capable dans ce domaine, il y a quelqu'un d'autre qui peut être aussi capable dans un autre domaine. C'est pour cela la base de la vie chrétienne, c'est que nous devons toujours voir que l'autre me dépasse. Et quand tu as cette pensée, alors tu pourras avancer avec Dieu, tu pourras considérer ce que l'autre te dit. On a un message. Oui, c'est l'unique message que chacun puisse vérifier encore si il a déjà vaincu son ego. Son ego que j'appelle le moi, que tu veux là, que tu as toujours dit, moi on ne peut pas, moi je ne peux pas, moi toi tu ne peux pas jouer avec moi. Mais toi tu es qui s'il vous plaît? Tu es juste un mortel. C'est le diable qui nous fait penser qu'on est quelque chose. Mais un chrétien doit toujours penser qu'il est rien pour que Dieu puisse l'utiliser, pour que Dieu puisse l'assister, puisse même te donner la victoire dans tout ce que... Parce que aussi longtemps que tu penses que tu es capable de résoudre quelque chose de toi-même, Dieu ne fera rien. C'est comme un jour, j'avais donné un exemple d'un monsieur qui était effectivement un bon nageur. Il pensait qu'il était un bon nageur. Heureusement pour lui, il était aussi un chrétien. Un jour, il a décidé de traverser le fleuve Congo à la nage. Quand il a nagé, après à un moment donné, lui qui pensait qu'il était un bon nageur, il a senti qu'il était fatigué, mais il n'était pas encore arrivé de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Heureusement, il s'est repenti. Il a appelé Dieu à son secours. Et Dieu l'a aidé à sortir de la mort qu'il attendait, parce qu'il allait certainement se noyer. Mais cette personne, quand elle est sortie, elle ne pouvait plus dire qu'il était un bon nageur. Parce qu'il a compris que sans l'aide de Dieu, il était un homme mort. C'est ce que nous voulons que chaque chrétien puisse réaliser. Que sans Dieu, tu n'es rien. C'est pour cela le thème d'aujourd'hui. Comment vaincre le moi? Comment vaincre ton ego? Parce que le diable veut toujours nous dire que tu es plus que l'autre. Or, sa pensée, ce n'est pas dire qu'il t'aime. Quand le diable te dit que tu es plus que l'autre, ce n'est pas dire qu'il t'aime. Non, il veut seulement te semer à toi à l'orgueil qui va t'éloigner de Dieu. C'est ça, le résumé de ce que j'ai dit. Comment vaincre le moi ou l'ego? Bon, souvent, adage moko lobi qui se ressemble s'assemble. Namoni ketoza lolenge moko batu anda ku moko bana libota moko tata moko reverend Baruti Kasongo nde pusa kinga ketango nyoso tozalaka naye sika moko. Alors nazo ki makukia ku benga ipe aya kolesa etonga o. Question ile kindenge nini na kitoko ezaki bien assimilé. Bana nzambi basepeli nango makasi penza. Message ni opesa na peuple de Dieu pe batumusu so bambi Yesu Christ Masiya te pour na église pour
pour l'église, il y a un message qui est en Zambie, qui est se préparer. Il est comme une peine. Ndenge moko papa na biso azolo baketo zala na unité et puis to se soudé to zala na bomoko pona ko préparer boye na kolo et puis to se débarrasser totalement na masumu pe na mokili message o ezali tapi o nzamba tandeli biso po ete tokota na gloire tunyoso asengeli amitsana kati parce que ça la dernière occasion.